La TVT au cœur de l'information. Plus puissant que coronavirus, pour l'instant, il n'y en a pas. Toutes les puissances sont atteintes. L'Italie, par exemple, a franchi la barre des 4000 décès. Au Togo, de nouveaux cas sont recensés, à suivre dans un instant. Quel partenariat d'affaires entre les promoteurs des PME et les bénéficiaires du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs? Des primo-entrepreneurs ont été échangés avec des partenaires PME, à suivre tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Mais avant de développer ce titre, nous ouvrons ce journal par un communiqué du gouvernement, communiqué lu ici pour nous par le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale, le ministre Kodjo Adeji. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Communiqué du gouvernement. Il a été donné de constater, en cette période de la pandémie du coronavirus COVID-19, que certains opérateurs économiques se livrent à la spéculation sur les prix des produits de première nécessité ou refusent parfois de vendre certains articles, notamment le lait, le riz, la farine de blé, les huiles végétales, les concentrés de tomates, le sucre, savon de ménage, les pâtes alimentaires, le gel hydroalcoolique, les masques et gants de protection, etc. Ces pratiques qui créent des pénuries artificielles sur les marchés sont contraires aux dispositions des articles 13 et 18 de la loi numéro 99-011 du 28 décembre 1999 portant concurrence au Togo. Par ailleurs, le gouvernement rappelle aux détenteurs des supermarchés, supérettes, boutiques et officines le respect des mesures barrières, notamment la distance sécuritaire, le lavage des mains, la limitation du nombre de clients et le contrôle de température à l'entrée. Le gouvernement en appelle à la conscience de tous pour le respect strict de ces dispositions en ces périodes difficiles et informe les opérateurs économiques que des contrôles inopinés des inspecteurs de commerce, des agents de la santé et des forces de l'ordre seront menés sur l'ensemble du territoire à compter de ce jour. Tout contrevenant sera sévèrement puni conformément aux lois en vigueur. Fait à Lomé le 21 mars 2020, le gouvernement. Monsieur le ministre, vous voulez expliquer ce communiqué en langue pour nos auditeurs, nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Covid-19
premier peu commerce peu d'ora wa ida siome et ne jebe o do asia me ade dia et que mato regande avadi benemia peu du quoi gel yo ke to tout na si ple gan yo ke o do na ga kotole ne wa fle le ouf gaiko o sane et là et nous yenye dodo ke cho gouvernement allo diruwa bon. D'accord, merci beaucoup monsieur le ministre. Et vous restez avec nous, on va revenir sur ce communiqué du gouvernement. Et je vous donne lecture d'un autre communiqué du gouvernement. Le président de la République, son excellence monsieur Faure Essozena Nyasimbe, adresse ses chaleureuses félicitations aux professionnels de la santé et à l'ensemble de la population togolaise pour leur adhésion aux mesures prises par le gouvernement pour éviter la propagation de la pandémie au Covid-19. Le gouvernement informe la population togolaise qu'en raison de l'évolution de l'épidémie au Covid-19 dans notre pays, le chef de l'État a décidé que le CHR Lomé Commune soit dédié uniquement à la prise en charge des maladies infectieuses. À cet effet, les dispositions urgentes ont été prises par les malades du ont été prises et les malades de Covid-19 sont transférés ce samedi 21 mars 2020 dans le 10 CHR. Les patients qui y étaient hospitalisés ont été transférés dans les autres hôpitaux publics de Lomé. Par conséquent, les consultations et admissions au CHR Lomé Commune sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les patients sont priés de se diriger dorénavant vers le CHU Sylvanus Olympio, le CHU Campus, l'hôpital de Baie ou les autres établissements de soins publics ou privés de Lomé. Le gouvernement présente ses excuses à la population pour les désagréments créés par cette nouvelle disposition. Il exhorte encore une fois l'ensemble de la population à observer toutes les mesures préventives recommandées. Il compte sur la compréhension et la prise de conscience de tous pour mener une lutte efficace contre la pandémie au Covid-19. C'est signé le gouvernement. La maladie du coronavirus se propage de jour en jour. La demande des articles de prévention est de plus en plus grandissante. Certains citoyens se sont précipités sur ces articles depuis que la pandémie du Covid-19 s'est propagée. Et cette nouvelle a causé une hausse des prix de ces produits d'hygiène, comme vient de le souligner M. le ministre. Mais alors, comment s'explique cette situation? Les éléments de réponse dans ce dossier signé Solange Jamandi et Clarisse Atiklé. Face au coronavirus, l'inquiétude grandit et avec elle la demande de masques de protection et de gel hydroalcoolique. Depuis l'annonce des mesures de protection, ces articles s'arrachent comme de petits pains. De nombreux supermarchés et pharmacies sont en rupture de stock. Les gens viennent acheter les masques et puis les gels. Bon, avant, c'était à 1450. Mais maintenant, le prix a doublé chez nous. Mais d'autre part, ça a triplé. Fournissons une rupture de stock. Vous voyez ce gel par exemple, on le fait venir d'Europe et l'importateur depuis toujours l'a toujours vendu à 5000 francs CFA. Mais puisque nous sommes tombés dans une situation d'exception et que tout le monde en demandait, il n'y en avait pas, il ne pouvait plus le faire venir par bateau. Ça va durer au moins un mois, donc ça vient par avion. Du coup, le truc qui coûtait 5000, toutes taxes comprises, il le livre au moins à 10 000. Nous pouvons aussi suggérer un peu à nos dirigeants de voir si sur des choses comme ça, ne serait-ce que pendant ce mois-là, si on ne peut pas suspendre éventuellement la TVA et qu'on soit pour permettre que le coût soit abordable pour les populations. Des fournisseurs qui essayent de gagner l'argent. Mais s'il y en a vraiment, je ne connais pas personnellement quelqu'un qui volontairement a augmenté les prix. S'il y a des gens qui sont tentés de le faire, qu'ils sachent que ce n'est pas bon. Parce qu'il s'agit de sauver des vies. Ce n'est pas le moment de gagner l'argent. Si on est en bonne santé, qu'on est nombreux, on aura plus de clients. Et là, en ce moment, on pourra gagner l'argent. Avant la pandémie, je ne connaissais pas le prix du masque. Disons que c'est la pandémie qui nous a amenés à nous diriger vers le port de masque systématique. Le masque ne coûte pas cher, ce masque est juste à 250 francs. Je pense que c'est à la bourse de tout le monde.
La fois dernière, j'ai voulu m'en procurer et on me dit que c'est à 2500. Un flacon de combien de millilitres qu'on vendait à 500 francs. Et je crois que c'est devenu une surenchère. Donc je crois qu'il va falloir que l'État prenne les dispositions qui s'imposent. Les mesures de prévention restent de mise pour éviter la propagation du virus. Et voilà, plusieurs mesures sont prises par le gouvernement pour endiguer le fléau et éviter la propagation de la pandémie. Et voici la réaction des populations par rapport à ces mesures prises par le gouvernement. Déjà, ces mesures prises rassurent la population. Nous apprenons ce qui se passe ailleurs et seulement c'est un peu difficile en Afrique de rencontrer ton frère et ne pas pouvoir lui tendre la main, ne pas pouvoir lui donner une accolade, mais on comprend que ça va de notre intérêt. Donc j'ai, moi, personnellement, apprécié la fermeture des frontières et surtout le refus pour les avions, c'est-à-dire les transports venant des pays touchés par le coronavirus. Ces différentes mesures peuvent nous aider à éviter que ce virus, c'est-à-dire se propage dans tout le pays. Surtout le fait de plus se serrer les mains par la circulation, de se laver les mains à chaque fois. Les mesures qui sont déjà prises, c'est bon. C'est ce que le gouvernement a dit, c'est ce que le gouvernement nous conseille de faire, les attitudes que le gouvernement nous conseille de faire, c'est par rapport à ça que moi je me conduis avec ma famille. J'ai trouvé les mesures prises par le gouvernement très salutaires. C'est pour notre bien, ce n'est pas pour limiter la liberté de qui que ce soit, c'est pour le bien à tous les Togolais. Suivre les instructions de nos autorités. Ça, c'est très important. Suivre les instructions des médecins. Si les médecins nous enseignent quelque chose, nous donnent des remèdes, il faut les suivre. Je suis sur ce plateau avec le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé, de la promotion de la consommation locale, Monsieur le ministre Kozoua Dédié, qui vient nous délivrer un communiqué du ministre et du gouvernement. Monsieur le ministre, que dit le communiqué en substance? Merci. Communiqué du gouvernement. Il a été donné de constater en cette période de la pandémie du coronavirus COVID-19 que certains opérateurs économiques se livrent à la spéculation sur les prix des produits de première nécessité ou refusent carrément parfois de vendre certains articles, notamment le lait, le riz, la farine de blé, les huiles végétales, les concentrés de tomates, le sucre, le savon de ménage, les pâtes alimentaires, le gel hydroalcoolique, les masques et gants de protection, etc. Ces pratiques qui créent des pénuries artificielles sur les marchés sont contraires aux dispositions des articles 13 et 18 de la loi numéro 99-011 du 28 décembre 1999 portant concurrence au Togo. Par ailleurs, le gouvernement rappelle aux détenteurs des supermarchés, supérettes, boutiques et officines le respect des mesures barrières, notamment la distance sécuritaire, le lavage des mains, la limitation du nombre de clients et le contrôle des températures à l'entrée. Le gouvernement en appelle à la conscience de tous pour le respect strict de ces mesures en ces périodes difficiles et informe les opérateurs économiques que des contrôles inopinés des inspecteurs de commerce, des agents de santé et des forces de l'ordre seront menés sur l'ensemble du territoire à compter de ce jour. Tout contrevenant sera sévèrement puni conformément aux lois en vigueur. Fait à Lomé le 21 mars 2020, le gouvernement. Voilà, monsieur le ministre, vous voulez aller en Inde pour expliquer beaucoup plus le contenu de ce communiqué à nos téléspectateurs. Justement, Enyou Bewadoto, Dilouwa Fese Yoke Wededem, Bewa Vadotare Kondi. Yata dodo ikecho jiru rogbo yenye ya bele ime
mia fe dolele ayike le don alo la nyan le nyigban katadi va mia be togo va nyigban hadia mia fe nous salado kaba o dade gadi kude nano yoke hiami kaba ave nyinuti molu akpono ami tomato timati ganvi moto soukle adi pâte alimentaire allo on avait mis ce mais spaghetti voilà et nous il que au coclon assi allo tout tout assi que mieux on avait un gel hydroalcoolique le nuit au chochona on ti le boubouao et ne ne on nomme ya c'est de l'équipe bébé ma wene nemo yata gouvernement allo dirura galé un coup de midi ne m'a fait supermarché tokatan be wa pogbo be amon galo cho ne ne fe khoyo me be wa plenmo wa ja wa be na allo distance ne non a me au domaine et le monu ha wa pogbo be na hian wa kho a me jojo na me wa po be ne dolele ya ne ga glenu ire nko gbo et diruro ele mo pomba me si a me ako aside do ya o me et edu edu kuji Betcho egba kodia mia fe ameyo pona be se yo de o le di won kude nu sa sa va pa dia wa gere mia pasio me e wa pogbo be o me sanana ke ega iji alo o gbo be yo ma asa ne ne fe enu ya o ame si ame ke di o kasi le doyo on le ke a gouvernement alo diru wa do ke di be wa reto se se ne ne fe amea Après. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. Merci. Hier, vendredi, sur ce plateau, le ministre en charge de la communication, Foli Bazi Katari, a présenté un communiqué du gouvernement faisant l'état des lieux, faisant aussi les restrictions, les mesures de restriction, et toujours dans le contexte de la limitation de la propagation du virus. Nous, vous suivez ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement communique. Dans le cadre des mesures envisagées par le gouvernement pour prévenir la propagation de l'épidémie du coronavirus, les dispositions complémentaires ci-après sont prises. 1. La fermeture pour 2 semaines, à compter de ce vendredi 20 mars 2020 à minuit, de toutes les frontières terrestres de notre pays aux passagers. Cette mesure ne s'applique pas à la circulation des marchandises. 2. Le bouclage de certaines villes, notamment Lomé, Thiévié, Palimé et Sokodé, à partir de samedi 21 mars 2020, à 6 heures avec les contrôles stricts aux entrées à hauteur de Thiévié sur la route nationale numéro 1, du péage d'Anéo sur la route nationale numéro 2 et d'Amoussoukopé sur la route nationale numéro 5. 3. L'interdiction jusqu'à nouvel ordre de la fréquentation par toute personne de la plage tout le long du littoral. 4. La fermeture pour un mois des lieux de culte, des églises et des mosquées à compter de samedi 21 mars 2020 à 6 heures. 5. La fermeture immédiate de tous les établissements scolaires publics, privés et confessionnels, primaires, secondaires et universitaires, pour une période de 3 semaines. 6. Les funérailles et les enterrements ne devront pas regrouper plus de 15 personnes, et ce, jusqu'à nouvel ordre. 7. Tous les vendeurs dans les marchés
devront porter des masques de protection. 8. Les activités culturelles et sportives de masse sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. 9. La fermeture immédiate des discothèques sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement invite la population à plus de précautions dans les lieux publics et lors des activités d'ordre social, notamment le respect des mesures d'hygiène préconisées et à limiter les déplacements non indispensables. Il fait appel à la compréhension, au civisme et au sens de responsabilité de tout un chacun pour la mise en œuvre efficace de toutes ces mesures. Tout contrevenant à ces mesures s'expose à de sévères sanctions. Fait à Lomé, le 20 mars 2020, le gouvernement. Le coronavirus est réel, il tue sans pitié. En attendant de trouver un vaccin, des mesures de barrière s'imposent. Des gestes simples, mais qui sont d'une grande utilité pour éviter la propagation de la pandémie. Suivez. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la maladie à coronavirus COVID-19. Mais l'on peut réduire le risque de contracter l'infection en nettoyant fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Autre mesure de prévention, couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir, porter des masques chirurgicaux, utiliser le creux du coude quand vous toussez ou éternuez. Le virus se transmet par des gouttelettes respiratoires de la personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Ces gouttelettes se propagent à 1 mètre maximum. Le virus peut survivre sur des objets comme des billets de banque si la gouttelette tombe dessus, mais le risque est très faible. En cas de doute, évitez tout contact avec le public, s'isoler et appeler des professionnels de la santé. Les personnes infectées par le COVID-19 peuvent n'avoir que peu ou pas de symptômes puisqu'ils s'apparentent à ceux d'un rhume ou d'une grippe. Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître après l'exposition au COVID-19. La maladie se caractérise par des symptômes bénins parmi lesquels un écoulement nasal, un mal de gorge, de la toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires. Le temps d'incubation du virus peut aller de 2 à 14 jours. Les acteurs des filières soja, karité et anacarde de la région de la Kara se forment sur les avantages de la vie coopérative et l'élaboration des plans d'affaires pour la recherche du financement. C'est au titre du projet de durabilité et de renforcement des capacités commerciales de l'anacarde et du karité. Nestor Mouzou. Le besoin de diversification de l'économie nationale pour profiter des opportunités qu'offre le marché international a amené le Togo à identifier de nouvelles filières agricoles considérées comme filières à haute valeur ajoutée. Il s'agit de l'anacarde, du soja et du karité. Dans ces secteurs se retrouvent de nombreux hommes et femmes. C'est pour amener certains d'entre eux qui opèrent dans la région de l'Akara à s'organiser en coopérative selon les normes de l'OADA et à disposer de plans d'affaires capables d'intéresser les institutions financières pour leur octroyer des crédits. Ce sont des acteurs qui contribuent essentiellement à la mise en œuvre du plan national de développement, notamment en son axe 2, qui vise à transformer de façon stratégique les filières agricoles. Mais ces acteurs ne sont pas suffisamment structurés. Il y a des interprofessions, mais il y a des problèmes. Dans notre point de vue, quelle est la vision, quelle est l'orientation, quelle est la dynamique à imprimer au sein de ces organisations pour que l'on collabore, travaille de façon professionnelle pour répondre aux objectifs de développement. Par ailleurs, la recherche de financement est un élément clé pour les opérateurs économiques. Parfois, les dossiers présentés souvent aux banques posent d'énormes problèmes. Donc l'atelier se propose de les former, de les outiller
en élaboration de plans d'affaires pour répondre à ces préoccupations. Plusieurs thématiques sont à l'ordre du jour, notamment le rôle et la responsabilité des organisations professionnelles paysannes, les avantages de la vie coopérative, les procédures du MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole, et les acquis des expériences de la GIZ dans la filière Anacard. Le projet de durabilité et de renforcement des capacités commerciales de l'Anacard et du Carité, pour le compte duquel cette formation se tient, est piloté par le secrétariat de mise en œuvre du cadre intégré renforcé du ministère du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale. Une délégation du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs PAEJ-SP et accompagnée des partenaires PME a rencontré les 146 primo-entrepreneurs retenus dans la région centrale pour la campagne 2020-2021. Il était question d'échanger sur les PME afin de leur permettre d'avoir une meilleure connaissance du projet. Sonia Menipo. Le PAEJ-SP, projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, à la rencontre des primo-entrepreneurs dans la région centrale. Une réunion de mise en relation de ces jeunes avec les partenaires sélectionnés pour le compte de la campagne 2020-2021. Il est question à cette séance d'échanger avec les 146 primo-entrepreneurs sur les conditions de partenariat d'affaires avec les PME afin de leur permettre d'avoir une meilleure connaissance du projet. Cette rencontre a permis à ce que les jeunes puissent avoir une meilleure connaissance du PAEJ-SP et comment ils peuvent bénéficier des différents appuis financiers et non financiers qui sont prévus à leur endroit. C'est une rencontre au terme de laquelle les jeunes se décident vraiment à s'engager pour travailler avec les PME partenaires. Ils auront à signer un contrat avec nous. Nous attendons qu'ils respectent ces contrats. Et nous attendons également qu'ils respectent l'itinéraire technique. Parce que pour réussir la production du soja notamment, c'est le respect d'abord de l'itinéraire technique. Nous osons espérer qu'ils vont vraiment mettre en application tous les conseils que nous allons leur donner sur l'itinéraire technique pour qu'ils puissent avoir une bonne productivité et rembourser évidemment le crédit. Parce que c'est un peu ça l'enjeu. Il ne suffit pas de prendre du crédit, mais il faut tout faire pour rembourser ces crédits-là. Cette séance de sensibilisation ici à Sautoubois est la quatrième du genre organisée par AEJ-SP après celle d'Agou, de Notien et de Tapamé. Et les bénéficiaires saluent la démarche. On peut dire qu'on est sorti satisfait parce que premièrement, nous avons eu des informations sur le AEJ-SP. Et deuxièmement, nous avons aussi échangé avec les PME. Nous sommes déjà dans la production de ces céréales. Je veux parler du soja et du maïs. Et vraiment, avec la volonté aussi qu'on a, on va vraiment se lancer dans le travail. L'ambition du gouvernement est de contribuer à créer à travers ce projet les conditions d'une croissance économique plus inclusive à travers le taux d'emploi et l'insertion des jeunes dans l'économie formelle au Togo. Je vous donne une fois de plus lecture de ce communiqué du gouvernement. Le président de la République, son Excellence, M. Faure Essozemena Nyasimbe, adresse ses chaleureuses félicitations aux professionnels de la santé et à l'ensemble de la population togolaise pour leur adhésion aux mesures prises par le gouvernement pour éviter la propagation de la pandémie au Covid-19. Le gouvernement informe la population togolaise qu'en raison de l'évolution de l'épidémie au Covid-19 dans notre pays, le chef de l'État a décidé que le CHR Lomé Commune soit dédié uniquement à la prise en charge des maladies infectieuses. À cet effet, les dispositions urgentes ont été prises et les malades de Covid-19 sont transférés ce samedi 21 mars 2020 dans le dit CHR. Les patients qui y étaient hospitalisés ont été transférés dans les autres hôpitaux publics de Lomé. Par conséquent, les consultations et admissions au CHR Lomé Commune sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les patients sont priés de se diriger dorénavant vers le CHU Sylvanus Olympio, le CHU Campus, l'hôpital de Baie ou les autres établissements de soins publics ou privés de Lomé.
le gouvernement présente ses excuses à la population pour les désagréments créés par cette nouvelle disposition. Il exhorte encore une fois l'ensemble de la population à observer toutes les mesures préventives recommandées. Il compte sur la compréhension et la prise de conscience de tous pour mener une lutte efficace contre la pandémie au Covid-19. C'est signé le gouvernement. Même si pour le moment le continent africain est le moins touché par le Covid-19, l'OMS précise qu'il faut se préparer au pire. Il y a 9 gestes qui sauvent, lesquels est-ce la clé? Le coronavirus, la maladie qui fait le plus peur en ce moment. 9 gestes à adopter pour éviter de contaminer les autres. 1. Se laver les mains régulièrement avec du savon. 2. Se moucher dans des mouchoirs jetables. 3. Tousser ou éternuer dans son coude. 4. Éviter tout contact. Éviter de serrer des mains, de faire la bise pour saluer. 5. Éviter les grands rassemblements, boîtes de nuit, bus et stades. 6. Éviter les situations où on est serré dans un espace confiné. 7. Autre chose, aérer les pièces, ouvrir les fenêtres et laisser respirer la maison. 8. Nettoyer régulièrement les surfaces. 9. Enfin, si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. 9 gestes simples pour éviter de contaminer les autres et ainsi dire adieu à cette maladie qui fait peur. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.